Parce que genre là, si j'avais joué un truc boring, je me serais fait chier toute la game, tu vois. J'étais en mode, vas-y, go faire un truc marrant. Pam, 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 pam. Oh putain, mec! Oh, faut avoir une sacrée paire de balls. Pour faire abatteur first item contre Fioraramus, faut être sacrément couillu. Hein. Et on a un Jhin. Oh mec, on a la. Oh là là! On a la pire composition au board, mec. On a vraiment la pire compo. Si on gagne cette game, c'est un miracle en fait. C'est. Là, tu vois, cette game, on a 90% de chance de la lose. Facilement. En gros, c'est soit on snowball l'early et on gagne, soit rip quoi. Pourquoi t'aurais pas le niveau LCS? C'est toujours moyen si tu play et que tu joues en team. En vrai, mec, le niveau LCS c'est assez élevé en fait. Si j'avais continué de tryhard, ça aurait peut-être été une possibilité, tu vois, et encore. Mais là, vu que j'ai fait un arrêt et tout pour le stream et tout, c'est plus possible maintenant. Alors, les mecs en LCS tryhard trop, ils passent leur temps à jouer. J'ai déjà pris trop de retard en fait. Sous-estime pas Jhin mid. Non, je sous-estime pas Jhin mid. Mais c'est juste que là, en fait, il est contre Rammus Malzahr. Et il a beau avoir une cleanse, bah. Je pense pas que ça sera suffisant en fait. Donc le clean ça enlève pas l'ulti de Mars de Malz. Oui mais je pense qu'il l'a pris surtout pour le taunt de Rammus en fait. En fait s'il prend pas la clean, il peut se prendre full pression de Rammus en early game et ça peut être très chiant pour lui. J'ai un peu peur là. Ok, apparemment ça gagne C1v1 avec Abatteur top lane. Ok. Je vais voir si. Je vais me heal avec le Carapateur, ça me donnait mon niveau 4. Quoique en fait on va les bot. Et yop. Oh, petit proc de Nala. Ils ont pas besoin de pompe push, juste prendre mon niveau 4. Voilà. On pourrait limite faire le dragon de feu maintenant en fait. Si il décale, on fait le dragon de feu maintenant. Avec Ezreal Kha'Zix, on va le déboîter. Sera mieux setup. Nice mec, avec notre composition là, un dragon de feu early, ça va nous mettre archi bien. Ok, voilà. Ah, va falloir que tu sortes, Alistar. Ok. En vrai, il aurait juste pu juste partir à pied, mais. Oh, me saoule pas au Raptor, s'il te plaît. Ok, il vient pas me saouler au Raptor, mais. Tu viens de passer de 90% de chance de perdre à 75. Il est vrai, il est vrai. Là, on va faire un bon pas en avant. Sauf qu'en plus, si le Kennen est capable de gagner son 1v1 avec un tel starter, ça augmente encore plus nos chances de gagner. Ok.
Ok, j'attendais juste de récupérer mon jump. Ouais, là, si jamais je me fais invade, bon, juste jump out, y'a pas de soucis. Partir sur un build assez agressif. Cela, voilà, comme je vous ai dit, cette game, si on gagne pas l'early, on gagnera pas. Donc on va faire un build agressif pour augmenter notre potentiel de snowball. Je passe cette top. Enfin, en vrai, la Fiora, elle a perdu masse en fait. Elle était obligée de back, elle va perdre cette wave. What the fuck? C'est quoi le prochain dragon? Dragon d'eau? Un peu dommage ça. Hop les. Counterplay match. Ah, bande dommage, il meurt sur les gangbots. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas besoin de moi pour push, hein, c'est pour ça que je l'aide pas. C'est Kennen, il n'a vraiment aucune difficulté à clean ça. Et moi je vais directement prendre la jungle de Rammus. Oui, je crois qu'il s'est vu un peu trop beau là. Le collègue. Non! J'avais déjà mis un point dans mon R, putain. Oh le seum. Bon, c'est pas grave mec, on va abuse du on va abuse du fufu, c'est pas grave. Oh putain. En vrai, c'est très dommage hein, parce que là on vient de perdre un bon gros paquet de dégâts. Eh, viens sur moi. Ouais, non. Il focus Kennen. Du coup, RIP. RIP, Kennen's. En vrai, il aurait pu protobelt de l'autre côté, mais. Bon, il a essayé un truc. On va partir sur un smite bleu. Et on va faire l'ensemble. En vrai, mec, 1300 PV pour un Rammus plus une Fiora à burst, c'est pas. Oh putain! Ah ouais, il a choqué. De rattraper ça comme je peux quoi, mais et oui les gars, genre l'ultimate c'est un misclick hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, faut évoluer le Q absolument en premier sur Kha'Zix, c'est bien trop important. Ouais, non, en vrai vous pouvez évoluer le W aussi, mais c'est un gameplay différent, et là vu que j'ai max le Q et tout, genre faut évoluer le Q, c'est un pur misclick les potes. Évidemment. Ah, Rammus, il est intelligent. Rammus, il a compris que dans cette game, tout ce qu'il a à faire, c'est juste full gank. Parce qu'on a des lanes qui sont assez simples à gank pour lui. Du coup, il a rush mobilité. C'est intelligent.
Ça part en couille mid. Nice! Ezreal le sniper quoi. Ah, le petit snipe de Ezreal qui met bien. Vivement le level 11. Là on est au point où on est en mode vivement le level 16 en fait. C'est du coup on n'aura pas les resets non plus. Et ouais, le niveau 16 c'est un peu late game, hein, donc on a le temps, putain. Faire de l'arbor pen rapidement, parce qu'ils vont stack, et ils vont stack pas mal d'armure, surtout Rammus. Oh top, ça all-in. Oh nice. Je l'ai cover mon Jhin là, qui peut se faire dive assez facilement. Ils ont pas l'air de partir là-dessus, donc je peux les bot lane. J'attends que Rammus back. Bon, c'est dommage, il a pas cleanse le CC de Rammus. Oh bah. Oh oh. Diamant Hello Master Boys. Comme quoi les gars, si jamais vous avez du mal à climb, allez jusqu'au bout, croyez en vos rêves, tout est possible. Est-ce que je peux sneak ça? Ouais non, ça me paraît trop risqué. Ah non, dommage. Oh bah. Ok, c'est un fantôme. Nice, on sort top. Je vais faire le bleu, je vais aller top. J'aurai mon ulti, j'ai mon ulti dans 15. Mec, en vrai, les Rammus qui jouent comme ça, je parle pas en jungle, mais en solo lane, je sais qu'en tant que solo lane, c'est archi frustrant. Mec, il full gank. Parce qu'en vrai, c'est très difficile. Même si t'es au courant qu'il full gank, très difficile à gérer. Parce que ça gank tellement facilement. Ok, nice. On va lui prendre son red buff. Oh, tais-toi. Bon, c'est bien. Dans cette game, on est au bon endroit au bon moment et tout, ça nous aide pas mal. J'hésite vraiment. Est-ce que j'ai voulu le Q ou le jump? Ouais, le jump, ça met très bien. Non, j'ai voulu le Q. Go, dégâts. Ok, on a bien fait. Oui, attends, je dépouche le top. Je veux pas laisser la wave ici.
Oh, il me le laisse en plus, magnifique. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il passe par là, en fait. Oh mec, en plus, nice, ils ont sauvé les bots. Magnifique. On est en train de gagner une game, donc on avait 90% de chance de lose. C'est pas dégueu. Yes! Il tilt! C'est parfait! Après là ils ont pas l'air d'avoir vraiment open hein. Là ça a l'air de se défendre encore un peu. Oh il a choqué la protobelt. Mais je pense que ça sera ok. J'arrive tiens moi. Ah oh, il a pas d'ultimate. Ah oh, il est 100% mort. Ah oh, mais il va trop loin. Je l'aurai jamais. Huit secondes mon jump. Ok c'est bordé. Ok. Oh ultimate round 2 qui met bien. Ouais bon voilà donc c'était le fameux le classique fake open game hein. Voilà bon après ils sont contents. Ils ont récupéré leur petit free kill sur leur, sur leur tentative de bait. Mais du coup on va tryhard, on va finir la game proprement. Tac, petite Yomu. On va prendre des Mercuries parce qu'ils ont un kilomètre de crowd control. Quoique non même pas en fait, on devrait faire go faire QSS. C'est vrai genre les Mercuries avec tous les CC qu'ils ont ça servirait à pas grand chose. QSS sera mieux. Ça va Kameto? T'inquiète pas, ça va bien se passer Kameto. Je sais pas ce qui se passe mais il est pas bien. Oh mec, je suis trop feed. Bon, il faudrait que je me trompe sur mes boutons. Ce serait con quand même. Pas dégueu. Sachant qu'elle était pas isolée, c'est pas dégueu du tout. Bon ok, c'est pas encore le win du coup. C'est pas encore win parce qu'ils ont. Ils sont encore en train de tryhard. Hein. Ce genre de call me rassure pas beaucoup. Bon t'as deux on le fait pas hein. Ah oui, on en est là. Oh oh we're fed, boys. Apparemment, c'est légal en France, hein, ce genre de dégâts. Très bien.
Reviens! Oh mec, dis-moi qu'il y a le bleu, ça me rendrait tellement heureux. Évidemment. Bon, faut pas que je me faille sur ma QSS, hein, si jamais. Oh le cancer! Putain, ce silence de mort quoi! Dommage. Ah bah il est mort quand même. Ok. Non! Non, prends-moi! Je pouvais pas, j'ai spam le R putain! Après j'avais la Yomu, après je sais pas s'il m'aurait sauvé. Ezreal, il a essayé de flash heal, il a heal trop tard, derrière il était au corps à corps de Fiora donc il est mort. Oh là là mec. On a tous joué magnifiquement bien. Et on va finir ça. Faire un peu plus d'AD. Pourquoi t'évoles pas le E? Ça arrive mec, quand je serai niveau 16. Voilà, encore une fois, normalement vous évoluez le Q puis le E, mais là on a il y a eu misclick, donc on fait comme on peut. Le rechargeable qui counter le taunt de Rammus. Ça j'avoue. Mec, j'ai fait le KS quoi. Oh mec, 800 de dégâts sur Dragon Terre au Q quoi. Oh mec, j'aurais tellement voulu qu'elle flash in. Je voulais l'outplay avec le ultimate. Oh, le bon choc. Est-ce qu'il l'a? Non, il l'aura pas. Oh merde, ce qu'on met autour! Yo. Non, j'ai pas de QSS! Oh, nice. Il était au bout de son Q. Enfin! On a ce sort magnifique qui fait tout. Oh, fait chier, Blue Trinket. Oh, on est quand même niveau 16, hein. Tout le monde est. Ok, je suis un petit peu fine.
prendre un Raptor Edge back. Ouais, j'hésite à prendre un Last Whisper. Ça va être avec un Last Whisper, Ramus, je le casse en deux. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que je le casse déjà en deux et que j'en ai pas vraiment besoin. Et donc, je me dis autant faire un build full débile pour être sûr de défoncer les carry. Ouais, je pense qu'on fait ça. J'ai pas besoin des lucidités là en vrai. Du coup, on va faire les Mercurys. Même si j'ai déjà la QSS, de toute façon, c'est pas très grave. Ils ont quand même pas mal de crowd control. Juste histoire d'avoir des bots en deux. On a un petit 400 d'AD. Je sais pas qui on va focus, mais il va prendre cher en fait. Oh nice, ils ont catch le Malzahar. Super taf. Du coup, on va pouvoir prendre le troisième inhib. Oh, putain mec, ce qu'il y a Mijin. Ouais, c'est pas dingue ce qu'on fait là. Ok, un shard. Ah! Fuck, il a encore son flash! My bad. J'ai grid. Et grid is feed. Ah, j'étais nul sur 20 là-dessus. En fait, je prends un move risqué pour rien en fait. Parce que même en soi, si ça passe, bon bah j'ai tué Trundle, est-ce que c'est vraiment worth it? Non. À ne pas faire. Toute façon, on est tellement devant que GG. On est tellement devant qu'ils ont même pas besoin de moi. T'aurais du QSS pour la speed. Ah oui, c'est vrai, putain! C'est vrai que c'est vrai que la scimitar te donne le bonus de mouvement speed. C'est vrai, my bad. J'aurais survécu avec ça en plus. J'ai complètement zappé ça. Fuck. C'est vrai que j'avais zappé que ce truc donne de l'AMS. J'aurais pu survivre. My bad. Bon! Bah écoutez, hein. On a transformé un 90% de win rate en free. Un 90% de free lose en free win. C'est pas dégueu. C'est plutôt. Ça s'est incroyablement bien passé. Voilà, c'est pour ça que je vous dis souvent. Tu vois, genre au début de la game, je vous ai dit. Leur composition, elle m'amuse zéro. Je vais go un champion qui m'amuse comme ça au moins, même si on se fait stomp, j'aurais eu du fun. Et bah pour le coup, ça a payé, tu vois. Donc voilà, je vais jouer pour vous amuser.